C'est parti. Alors, le sujet du jour sera la gouvernance d'entreprise. Pour pouvoir aborder ce sujet, on a vraiment le plaisir et merci Alexia de prendre ce temps pour partager toutes tes connaissances avec nous. Donc, on a Alexia Ducrot du cabinet Ossine qui est à nos côtés aujourd'hui pour répondre à certaines questions, mais surtout l'objectif de ce webinaire est de démocratiser la gouvernance. Alexia, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, ben, écoute, déjà merci Myriam pour ton invitation. Je suis ravie de vous retrouver ce midi avec ce temps pluvieux pour parler de ce sujet de la gouvernance. Du coup, moi, ça fait 20 ans que j'accompagne les dirigeants d'entreprise sur des sujets de stratégie d'entreprise et de communication. Et j'ai créé le cabinet Ossine il y a 7 ans maintenant, avec la volonté vraiment de mettre deux expertises au service des dirigeants et de la croissance de leur entreprise. Le premier pilier, c'est tous les sujets de gouvernance, justement, en lien avec la RSE, on le verra. Et le second pilier, c'est ensuite la communication qu'on en fait, notamment auprès des parties prenantes. Donc voilà pour cette partie-là. Je le précise aussi parce que c'est un lien avec le sujet de la gouvernance. Je suis également administratrice indépendante. C'est-à-dire que j'interviens dans des boards, conseils ou conseils d'administration de start-up et TPE, PME en région. Je crois qu'on en reparlera aussi un peu plus tard. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude d'être là à nos webinaires, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous partager le plus grand nombre d'informations, que ce soit très utile et très concret. Donc, on laissera une plage de questions à la fin du webinaire. Mais par contre, n'hésitez pas, si pendant la présentation, il y a des questions qui viennent et vous souhaiteriez qu'on l'aborde, à les écrire en fait dans le chat. Comme ça, on pourra rebondir en même temps sans attendre forcément la fin du webinaire. Donc c'est parti, voilà, on va échanger sur la gouvernance, Alexia et moi, pendant à peu près 40 minutes. Et puis ensuite, on laissera 10 minutes de questions à la fin pour pouvoir avoir plus d'échanges et éventuellement exposer vos cas concrets si vous le souhaitez. Alexia, la gouvernance, ça fait peur. Et je te donne volontairement un prisme un peu de start-upeuse ou de créatrice d'entreprise qui vraiment les mains dans le cambouis et qui est partie de rien, de rien, de rien. La gouvernance d'entreprise, ça peut faire peur. Alors, quand je t'ai rencontrée, on en a beaucoup discuté et tu m'as démontré que non. Mais j'aimerais bien, si ça te convient, dans un premier temps, qu'on commence avec une définition de la gouvernance d'entreprise pour que tout le monde puisse comprendre finalement qu'est-ce que c'est. Et quels sont les pans ou les phases de vie de l'entreprise qui peuvent être concernées? Tout à fait. Tu as raison, Myriam, mais c'est vrai que c'est souvent, hélas, en tout cas auprès des dirigeants d'entreprise en création ou dans un projet de start-up ou même après à différentes phases de la vie de l'entreprise, ils me disent, oh non, mais la gouvernance, c'est vraiment pas pour moi, c'est un truc de grand groupe, etc. Et donc, moi, la mission que je me suis fixée, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'étais contente aussi qu'on puisse échanger ce midi autour de ce sujet, de pouvoir démocratiser et démystifier ce sujet de la gouvernance, parce qu'en fait, c'est vraiment un levier et un atout hyper intéressant à toutes les phases de l'entreprise. Avant de vous en dire un peu plus, j'avais quand même envie de remettre ce sujet de la gouvernance dans un cadre qui est un peu connu de tous. Voilà, c'est pas une matière auquel on pense en premier quand on crée une entreprise, et pour autant, il y a un cadre qui est bien défini et qui existe et que j'ai envie de vous partager. On connaît tous maintenant et on le pratique aussi tous la RSE, hein, donc la responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est vraiment le terme qu'on utilise dans le monde économique pour désigner vraiment la démarche volontaire des entreprises. On en parle tellement et c'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui que les gens voient mieux ce que ça peut revêtir. Mais vous avez peut-être tous entendu parler aussi des critères ESG. Voilà, qui sont des critères vraiment spécifiques et qui sont notamment utilisés par les investisseurs. Donc on se rend compte que c'est des critères qui sont vraiment importants au moment notamment des recherches de fonds, levées de fonds. Ces critères ESG, en fait, ils sont là, c'est des critères extra-financiers avec un objectif qui est de mesurer vraiment l'impact et la durabilité des entreprises. Et donc derrière ce sigle ESG, on retrouve bien le E d'environnement, le S de social, sociétal, et le G de gouvernance. Donc c'est là où on voit en fait
que dans la RSE, dans ce sigle, on oublie un peu la gouvernance, même si c'est l'un des piliers. Et dans ce critère ESG qui est très scruté, des banques, des fonds d'investissement, etc., on retrouve bien la gouvernance. Je voulais bien vous remettre aussi ce sujet-là. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui se met en place, qui se durcit au niveau européen pour les grands groupes. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est même une petite entreprise est finalement un petit peu impactée par le sujet du ruissellement, à partir du moment où peut-être elle est prestataire, fournisseur, partenaire de groupes plus importants, d'entreprises plus importantes. On va peut-être venir lui demander aussi, elle, ses engagements sur ces différents critères. Donc, c'est important de pouvoir, déjà, peut-être d'un point de vue de commande, de marché, peut-être même de consultation d'appel d'offres, ça peut être un critère différenciant. Donc, ça, c'est pour le cadre un petit peu de ce sujet de gouvernance. Tu m'as demandé, du coup, rentrer un peu plus concrètement, Myriam, ce que c'est que la définition de la gouvernance. Alors, justement, pour vous dire, appliquée aux plus petites entreprises, moi, je définis vraiment la gouvernance comme finalement un cadre efficient que se fixe le dirigeant et l'entreprise pour un bon pilotage. Moi, j'aime bien parler de cette idée de pilotage de l'entreprise et de l'atteinte de ces objectifs. On n'a pas une attente qui est certaine si on n'a pas un bon cadre de gouvernance. Donc ça, c'est le premier point à retenir sur la définition de la gouvernance. Il y en a quatre. Le second, c'est cette gouvernance, finalement, c'est aussi définir des règles, des processus, des bonnes pratiques, en fait, qui visent à assurer une prise de décision qui va être efficace, mais qui va être aussi transparente, qui va être plus collaborative et de fait plus responsable. Donc ça, c'est aussi ce qu'on peut retenir pour la gouvernance. La gouvernance, souvent on en parle aussi en lien avec les parties prenantes. Hein. Le sujet de la gouvernance d'entreprise, c'est vraiment veiller justement à cet équilibre hein, entre bah, les intérêts bien sûr du dirigeant, mais aussi des collaborateurs, des actionnaires quand il y en a, et de toutes les autres parties prenantes. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Hein. On parle bien sûr des consommateurs, des fournisseurs, on parle aussi de la société avec un grand S. Donc, voilà, cette gouvernance, elle va aussi permettre de veiller aux intérêts de tous les parties prenantes qui sont autour de l'entreprise. Et si on devait retenir un dernier point de ces quatre points sur le sujet de la gouvernance, il n'y a pas de méthode, enfin, si, il y a une méthode pour définir une bonne gouvernance, mais je veux dire, il n'y a pas une gouvernance, la bonne recette qu'on va appliquer à tout le monde. La bonne gouvernance, et notamment dans les plus petites entreprises, ça va être vraiment une gouvernance qui est conçue sur mesure, en fonction du secteur, des problématiques, de la constitution de l'entreprise et aussi de sa culture. J'aime beaucoup travailler la culture d'entreprise quand on travaille la gouvernance d'entreprise. C'est vraiment ce cadre de gouvernance qu'on se donne pour les petites entreprises. Il faut vraiment retenir ces quatre points qui sont importants. Ton dernier point anticipe un peu ma question, c'est-à-dire que on fait un peu tous des petites choses de manière éparse qui vont cadrer. On va mettre en place nos process en interne, on va mettre en place peut-être des tableaux, des boards, on va mettre en place des newsletters. En fait, on fait tous des petites choses un peu sans avoir conscience de le faire dans le cadre d'une gouvernance. Mais à partir de quand finalement ou comment, tu nous dis il n'y a pas une seule méthodologie, mais de manière concrète, à partir de quand toi tu qualifierais que justement cette start-up ou PME qui va faire des choses un peu à droite à gauche, finalement avec un petit travail de cohérence, aurait une bonne gouvernance? En fait, moi, c'est adapté dès le démarrage d'une entreprise. C'est toujours plus facile justement de définir ces éléments-là au démarrage, hein, parce qu'on n'a pas encore pris, entre guillemets, peut-être des mauvaises habitudes, etc. Donc, c'est important de tout de suite avoir ce cadre bien défini. Moi, ce que je dis qui est intéressant, c'est quand il y a cette gouvernance, il y a vraiment un travail de réflexion au démarrage. Très concrètement, la première brique du travail, c'est de définir vraiment la vision du dirigeant d'entreprise et son projet d'entreprise. Parce que du coup, va en découler justement la fameuse culture d'entreprise. Et puis, ça va permettre d'être finalement un prisme de décision de beaucoup de choses à la suite. Et en fonction de cette vision, ce projet, on va pouvoir, par exemple, définir une répartition des rôles entre les associés, définir son style de management, un schéma d'organisation, un schéma de communication pour une bonne transparence de celle-ci. Voilà, donc il y a tout un. Après, donc ça démarre par là pour moi, puis après, il y a plein de petits outils qu'on pourra lister. Et peut-être que vous faites déjà, tu as tout à fait raison, des chartes éthiques, des chartes de bonnes pratiques. Ça rentre aussi, ce sont des éléments aussi d'une bonne gouvernance. Mais il y a vraiment cette idée de poser cette réflexion au démarrage
d'une stratégie de gouvernance. Et puis après, bah, tu l'as dit un peu, et finalement, ça anticipait un petit peu, se dire, bah, c'est tout au long de la vie d'entreprise, c'est un peu comme le sport, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas sportif à 20 ans ou à 30 ans qu'il n'y a pas de bénéfice pour autant de le faire à 40, à 50 ou à 60. Donc, même si vous n'avez pas fait cette démarche de réflexion au démarrage, c'est toujours intéressant, bah, dans des phases où vous allez croître, de structurer un CODIR, de faire davantage participer vos collaborateurs, de mettre un board conseil, par exemple, en place, on pourra le développer plus après dans, en phase de levée de fonds, par exemple. Inscrire une vraie communication avec vos différentes parties prenantes quand vous les aurez cartographiées. Peut-être mettre en place des comités spécifiques liés à justement à la RSE ou à l'innovation, ou même devenir entreprise à mission. Ça, c'est aussi une des briques. Voilà. Donc là, je vous donne un peu, je vous livre un peu tout ça en vrac, mais tu as raison de dire, souvent, on fait plein de choses et on n'en a pas conscience. Donc, c'est comment finalement on conscientise et surtout on écrit ce cas, on le définit et on l'écrit pour qu'il soit facilement pris en main par les différentes personnes et parties prenantes de l'entreprise. Donc, pris en main en interne pour que ce soit appliqué et que ce soit bénéfique à l'entreprise, et rédigé aussi pour que d'autres parties prenantes, comme tu disais tout à l'heure, par exemple des fonds d'investissement, des investisseurs qui vont s'intéresser à ces critères ESG, puissent prendre connaissance de la bonne volonté de l'équipe dirigeante de mettre en place une gouvernance. Exactement. Il y a vraiment l'idée de bien gouverner pour bien croître, comme dit souvent. Et puis, comme tu le soulignes, de bien gouverner, c'est aussi bien communiquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde en interne, souvent dans l'esprit du dirigeant, il a sa vision, son projet, des envies. Mais comment il fait pour embarquer aussi en interne ses collaborateurs, ses salariés, ses associés autour de son projet d'entreprise? Ça peut être aussi une vraie communication auprès des fournisseurs, d'un écosystème au cœur d'un territoire, par exemple, un écosystème de plutôt coopératif. Et bien sûr, je le disais un petit peu tout à l'heure, dans le cadre de clients, de prospection, de marché et tout, de pouvoir effectivement afficher cette démarche qui est déjà volontaire et cadrée sera forcément positif, et encore plus en, face à des investisseurs. C'est un exercice de com. À partir de quel moment il faut se méfier et on tomberait dans du gouvernance washing pour en écho un peu au greenwashing? Est-ce que tu as déjà vu ce cas de figure? Est-ce que tu mettrais une barrière? Oui, bah comme tu dis, hein, greenwashing, social washing, c'est le fait d'afficher des choses qui ne sont pas finalement authentiques. Ou dire qu'en fait, on est 100% parfait, durable, engagé, alors que finalement, on met en place une toute petite chose anecdotique ou un décalage. Parfois, on l'a aussi hein, dans le cas de la marque employeur. Donc, moi, là où je suis très attentive, en tout cas, sur le sujet de stratégie de gouvernance et de feuille de route de gouvernance, c'est d'abord on fait et ensuite on communique, bien sûr, bien évidemment. Après, il y a communiquer déjà en interne qui est une première étape. Hein, ça, c'est vraiment très important que ce soit bien compris. Moi-même, je recommande vraiment de pouvoir poser ces réflexions de stratégie de gouvernance avec vos collaborateurs, avec vos parties prenantes en interne. C'en est d'autant plus riche. Et c'est là aussi, je trouve, on n'a pas encore cité cet aspect-là, cet atout-là de la gouvernance, mais pour moi, c'est vraiment sortir de la solitude du dirigeant. C'est vraiment un soutien. Quand elle est choisie et non pas subie, cette gouvernance, c'est... prendre du recul, se forcer à avoir des avis différents, des regards différents, peut-être avec des regards qui viennent de marchés différents. Hein, quand on parle en place, comme je vous le disais, de mettre en place des boards conseils, ça, c'est des vrais soutiens très pratico-pratiques qui se retrouvent régulièrement. Où, oui, on partage, on rend des comptes, mais aussi, voilà, on peut être dans cette prospective, cette gestion des risques parce qu'on a les regards croisés. Donc, une bonne gouvernance, c'est aussi celle vraiment qui soutient le dirigeant. Donc le dirigeant qui n'est plus le seul à prendre une décision qui peut être stratégique, parce qu'en fait ça vient démystifier un peu cette idée de l'entrepreneur omniscient qui doit être bon dans tout, et en fait ça lui permet de se reposer sur une autre équipe d'experts qui vont pouvoir lui permettre de prendre les meilleures décisions en étant encadré. Exactement. Pour continuer, ça va un peu dans la suite hein, des sujets dans quoi il faut investir, donc peut-être faire un peu, comment dire, plus petit au début, mais bien le faire et puis grandir par la suite. Alors, tu nous as déjà dit, c'est important de mettre les premiers édifices ou les premières pierres
quand on crée l'entreprise. Mais pour autant, tu vois, nous, via l'incubateur, ben, souvent, on a un porteur de projet qui vient, il est seul. Donc, si on lui parle de gouvernance, il va nous dire, mais avec qui veux-tu que je communique, en fait, avec qui veux-tu que je communique? Et donc, c'est la question que j'aimerais te poser. Est-ce qu'il est nécessaire d'investir vraiment au moment de la création ou quand tu parles de au lancement, c'est plutôt à partir du moment où il y a des parties prenantes? C'est la question que j'aurais aimé te poser. Alors, même si un porteur de projet est seul au démarrage, je trouve que déjà se poser ces questions sur lui, l'empreinte qu'il a envie de donner avec, au sein de son entreprise, déjà lui, il peut se poser ces questions pour lui, déjà pour répondre, voilà, avoir une réponse à ça. Et puis, en fait, ça arrive très très vite, tu le dis, on crée une entreprise. On doit défendre son projet pour rejoindre un incubateur, pitcher pour avoir les premiers stagiaires alternants, les premiers financements, etc. Et déjà avoir montré qu'on a eu cette réflexion-là, pour moi, c'est vraiment un signe de maturité aussi du dirigeant, du futur dirigeant, dans cette idée qui devra accompagner la croissance de son entreprise. Après, c'est peut-être pas un investissement. Au-delà d'une réflexion et d'au moins d'essayer de voir comment il pourrait se positionner demain, mais après, ça doit arriver très vite dès que les parties prenantes rejoignent vraiment son retour de l'entreprise. Est-ce que je me trompe en affirmant finalement quand on crée son entreprise, bah, on va tous passer par le site internet, ou sa plaquette commerciale. Est-ce qu'il y a de la gouvernance dans cette action que de créer son site internet et ou sa plaquette commerciale? Alors là, on va être plutôt sur des sujets de communication, communication commerciale, communication de notoriété pour faire connaître. Par contre, on le voit aujourd'hui, les parties prenantes, les consommateurs sont en attente, justement. Ils sont assez exigeants même vis-à-vis des dirigeants et des entreprises, vis-à-vis de leurs responsabilités. Donc, il y a la responsabilité sociale, environnementale, mais il peut y avoir aussi une responsabilité vis-à-vis de la gouvernance, vis-à-vis d'un territoire, vis-à-vis de la façon dont sont prises les décisions, peut-être dont sont arbitrés les investissements, etc. Donc, ça peut être en tout cas, je conseille de muscler un petit peu, si bien sûr, encore une fois, il y a une réflexion et c'est authentique, hein, de muscler son discours avec ces éléments-là. Donc l'authenticité, c'est quand même un point fort. C'est pas la peine d'aller se faire une politique ou quelque chose de gouvernance si en fond c'est juste pour le mettre sur le papier. Bon, une fois qu'on a lancé son projet, je vais faire un peu les étapes de vie d'une société ou d'une start-up. On va aller lever des fonds. Alors là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Tu parlais tout à l'heure des sociétés à mission qui peuvent être très intéressantes. Enfin, et souvent, il y a des fonds qui vont se consacrer qu'à des sociétés qui ont inscrit. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est que une société à mission, ça signifie que vous inscrivez dans vos statuts, dans l'objet social de vos statuts, c'est écrit, et donc c'est déposé, c'est une annonce légale et officielle qui est faite, vous communiquez officiellement sur le fait que dans votre objet social, vous vous appliquez à œuvrer dans le cadre d'une mission pour pouvoir améliorer une cause qui vous tient à cœur. Et donc, vous serez audité par un organisme tiers au bout de 2 ans après le dépôt de vos statuts. Vous serez audité par une société tiers qui viendra confirmer qu'effectivement, au quotidien, vous œuvrez bien à la réalisation de cette mission. Et donc, les fonds sont très attentifs, surtout ceux qui mettent les critères ESG en valeur, sont très attentifs à. Il y en a certains qui vont prêter que à des sociétés qui sont à mission. D'autres vont aller sur les critères ESG dont parlait Alexia tout à l'heure. Toi, Alexia, justement, pour bien préparer une levée de fonds et pour être à corps, parce qu'on sait à quel point c'est chronophage que d'aller voir tous les financeurs, quels seraient tes points de vigilance pour une société qui voudrait se lancer dans une levée de fonds? Alors, peut-être élargir un peu point de vigilance et conseils pratiques, en fait, les bons tips pour être prêt. Ben, si on ressent sur ce sujet de gouvernance, pour moi, parce qu'ils ont défini leur vision, leur projet, leur ambition, et peut-être aussi déjà, ils ont défini quel type de croissance ils veulent, et finalement, le pilotage se fait non pas à l'aveugle selon les opportunités, mais peut-être selon un projet. À partir du moment où c'est déjà correctement réfléchi, partagé,
ce sera bien communiqué effectivement en cas de levée de fonds. Et souvent, ce que je remarque des clients et des entreprises que j'accompagne sur ces sujets-là, voilà, si on sait où on veut aller, c'est plus clair aussi pour les fonds d'investissement de se dire, bon, je vois qu'il y a une feuille de route, qu'il y a un pilotage, il y a le pilotage qui va bien aussi, la gouvernance qui va bien aussi en interne. Donc, pour moi, c'est vraiment un facteur de réassurance très important des fonds d'investissement. Bien gouverné aussi, on le sait, les fonds d'investissement dans cette période qui est un peu, ben voilà, un petit peu plus tendue, hein, c'est vrai, sur la recherche de fonds, etc. Parfois, on peut avoir des solos dirigeants. Ceux qui ont pris la peine de pallier ce côté solo avec un board conseil qui va les accompagner, par exemple, de façon trimestrielle, de pouvoir présenter ce board conseil, les personnalités qui le représentent, qui l'accompagnent, va être vraiment un facteur aussi de réassurance pour les fonds d'investissement. Pareil, s'il y a une volonté de durabilité, on a parlé de société du statut d'entreprise à mission. Ça, vraiment, c'est comme les labels, etc. C'est des choses pour moi à voir peut-être un petit peu plus loin, mais il y a déjà peut-être des briques qui ont été mises en place, des briques concrètes, avec de l'évaluation et de la mesure et de l'évaluation. Ça, pareil, c'est des choses très concrètes qu'on peut afficher et qui vont permettre justement de faciliter cette levée de fonds. Pareil, s'il y a un pacte d'associés, si voilà, tout a été bien évidemment défini, s'il y a une communication, en tout cas une collaboration avec l'interne, avec des fournisseurs externes, avec des clients, si voilà, tout ce maillage et cet écosystème est très rassemblé, fédéré autour de l'entreprise, bah bien sûr, ça en devient un projet qui est plus peut-être plus rassurant et plus de performance à venir. C'est très concret ce que tu es en train de faire là, c'est que tu es en train de donner naissance finalement à un concept plutôt abstrait en disant, ben voilà, si vous souhaitez construire votre gouvernance et prouver que vous mettez en place des briques aux investisseurs, prouvez-leur que vous avez mis en place un board. Donc avoir un board, ça fait partie de la gouvernance. Faites en sorte d'être labellisé, audité en fonction de votre secteur d'activité. Enfin, tout ça, c'est très concret. Tu penses quoi de la newsletter, du report, enfin, ouais, newsletter ou reporting? Est-ce que, alors, c'est une double question. C'est, est-ce que, la newsletter, c'est vraiment utile parce que finalement, c'est de plus en plus répandu. Est-ce que tu aurais des points de vigilance sur la newsletter aux parties prenantes? Et je te poserai ma deuxième question sur la finance après, peut-être. Alors, l'outil de newsletter, moi, alors souvent, les clients me disent « Ah non, mais les gens n'ouvrent plus leur mail, etc. » Et c'est vrai qu'on est un peu dans l'hyper-communication, on reçoit beaucoup de choses et tout, c'est compliqué. Pour autant, moi, l'outil de newsletter, je l'aime bien parce qu'il reste, en fait. Et même si on ne la lit pas tout de suite, c'est dans la boîte mail et on peut s'y référer beaucoup plus facilement, par exemple, que sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est un temps un petit peu plus long. On peut la construire avec des articles qui viennent prouver justement qu'on peut installer sur notre site web et qui peuvent prouver un certain nombre de choses. La gouvernance, c'est bien sûr faire en sorte que tout soit en ordre en interne, mais aussi qu'on puisse qu'elle soit visible vers l'externe. Donc, je trouve que c'est un outil vraiment intéressant de ce point de vue-là. Toujours bien à garder en tête l'authenticité et de dire même parfois, c'est ce que je dis, on peut dire qu'on est en chemin et qu'on n'est pas parfait et que personne, voilà, et qu'il y a encore des zones à travailler. Et finalement, je trouve ça rassurant, moi, pour les parties prenantes, pour les investisseurs, de se dire, bon, au moins, il a identifié où sont ses forces et peut-être ses points d'amélioration. C'est pas occulté. Au moins, c'est assumé. C'est assumé. Et ça peut aussi, alors c'est une petite anecdote, puisque je l'ai rencontrée, j'en ai discuté avec une fintech qui est entre Paris et New York, et elle me disait, au début, assez naïvement, on est allé voir tout de suite de très gros fonds américains pour pouvoir lever. Bon, bien sûr, on n'était pas tout de suite au bon niveau, mais par contre, on les a mis dans notre newsletter. Et le fait de les tenir informés au courant régulièrement de nos avancées, finalement, et de nos évolutions, en partageant, comme tu dis, des articles, des avancées technologiques, des recrutements un petit peu, tout ça, ben, le fonds d'investissement, ça leur permettait d'avoir un insight très précis et sont revenus vers eux. Et en fait, on pris le lead sur la levée de fonds. Donc, c'est vrai qu'il y a de belles success stories avec la newsletter. T'as peut-être vécu des bad buzz avec des newsletters ou pas forcément? Pas forcément, mais en fait, t'as tout à fait raison. Et c'est ça qui est dur en plus quand on est dirigeant de start-up, la temporalité n'est pas du tout la même en fait.
on a l'impression que tout le monde nous scrute et que les pivots sur un mois vont être perçus, etc. Mais il faut se dire que ce n'est pas le cas et qu'en fait, c'est le temps long qui compte quand même. Et que ce soit la newsletter, que ce soit de l'événementiel aussi, hein. On peut faire un peu d'événementiel, voilà, on tient au courant ou de. Tu as évoqué ce sujet-là un peu de rapport annuel. Moi, j'aime pas. Alors, il sent un petit peu la poussière, ce terme-là, et peut-être plutôt les grands comptes, mais les grands groupes. Mais c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est intéressant même en interne pour mesurer le chemin parcouru dans ce temps long. Et c'est intéressant aussi vis-à-vis de l'externe, parce qu'en fait, on leur prouve que justement, on avait une vision au début, un projet, une ambition. Et peut-être que le service a pivoté, le produit a pivoté, mais en fait, parce qu'on a cette gouvernance qui est un peu le garde-fou, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment particulièrement intéressant d'avoir ce levier dès le démarrage de la start-up en croissance, de se dire, bah, en fait, on a quand même gardé ce garde-fou et on reste un peu avec notre mission. Peut-être que mon service ou mon produit a pivoté, mais si on reste vraiment dans cette empreinte qu'on a voulu définir au démarrage, c'est beaucoup plus clair pour l'extérieur et pour les parties prenantes. Et on peut se permettre du coup un petit peu de slalom sur le produit ou sur le service. C'est ça qui est intéressant. Et avec ce temps long de la communication qui est aussi intéressant avec la newsletter. Juste pour un tout petit peu de précision, quand on parle de levée de fonds, tu penses que c'est utile de mettre en place tous ces outils, je parle en précis, en seed, en série A, t'as... Bah, en fait, plus c'est fait tôt, ouais, plus c'est facile, etc. Après, j'ai aussi beaucoup de dirigeants de start-up qui viennent vers moi après une levée de fonds, parce qu'en fait, ça a été identifié comme une zone de risque par le fonds. Et du coup, le fonds va même leur recommander d'avoir un administrateur indépendant, de mettre en place un cadre de gouvernance. Donc, bah, ça peut être aussi, voilà, après une levée de fonds importante. Parfois, ça se fait aussi dans ce sens-là. On a quand même réussi à les convaincre, mais la gouvernance, c'est aussi une façon d'anticiper les risques, en fait, de les connaître et de les anticiper. Dans quel sens tu peux approfondir ? En tant que dirigeant, on est beaucoup dans l'opérationnel, on est beaucoup entouré de gens auprès de nos collaborateurs, où on est tous un peu dans la même direction, avec les mêmes informations. Le fait d'avoir un rendez-vous de gouvernance, peut-être trimestriel, ou quelqu'un à qui appeler quand on est un peu perdu, va permettre de poser des questions qu'on évacue nous-mêmes ou qu'on n'a pas envie de se poser, ou parce qu'on a vu cette personne a vu des tendances sur un autre secteur ou choses comme ça, et ça va lever des risques en fait. Ça va identifier, peut-être lever des risques. Donc ça, c'est pareil, c'est une sorte de garde-fou. J'entends. Je reviens à la partie un peu chiffrée, parce que ben, forcément, il y a des questions aussi comptables et le pilotage, enfin tout simplement, alors ça peut être son tableau de suivi de KPI, son tableau de suivi trésorerie, peu importe. Ça fait partie de la gouvernance aussi que de mettre ces reportings en place ? Alors, est-ce que ça, je pense qu'en premier, ça fait partie peut-être d'un bon pilotage financier et là, tu pourras que confirmer ça. Par contre, pour moi, ce qui est intéressant, c'est la communication et la transparence de cette information et de ce qu'on en fait. Dans la gouvernance, il y a l'idée de communiquer avec transparence auprès de ces parties prenantes, de toutes ces parties prenantes, et avec responsabilité. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, et plutôt qu'est-ce qu'on annonce. Donc, dans ce cadre-là, c'est plutôt la communication de ces éléments-là qui vont faire partie de la gouvernance. Donc, mettre en place des KPI qui seront suivis de manière rigoureuse et qu'on va communiquer de manière transparente. Il y a souvent le prévisionnel versus le réalisé qui est demandé. C'est ce genre d'informations que tu as en tête ? Exactement, des pivots ou des ouvertures de marché qu'on sent et plutôt de surprendre et peut-être déstabiliser aussi les parties prenantes, quelles qu'elles soient. Il y a cette idée de collaboration, de co-construction en fait, hein, tout au long de la gouvernance, c'est avant tout ça. Si on la prend sous l'angle des plus petites entreprises et du bon sens, c'est avant tout la collaboration et la co-construction. De manière concrète, encore plus, stratégie d'entonnoir, comment on va mettre en place ces boards, ces labels, ces pactes d'associés ? Alors bien sûr, on va se faire conseiller, entourer, comment ça se met en place la gouvernance finalement ? Est-ce qu'il faut être accompagné par une seule personne ? Est-ce qu'il faut que cette personne soit en interne ? Enfin, tu vois la question globale, hein, c'est vraiment d'un point de vue concret. Demain, je décide de mettre une gouvernance en place, comment je m'y prends ?
Ouais. Alors, souvent, ce que j'observe, et c'est pour ça, je pense aussi qu'on est rassemblés ce midi, c'est qu'autour du dirigeant d'entreprise, bah, du coup, il y a ses conseillers de confiance, hein, l'avocat qui l'a suivi sur la constitution, son expert comptable, son banquier, ses financeurs, etc. Mais il y a une petite place qui n'est pas forcément prise en compte, qui est celui plutôt du conseil en gouvernance. Et finalement, c'est l'humain aussi. Hein, et ce que j'aime à rappeler, c'est de se dire, oui, bon, bah, il y a tous ces critères-là qui sont très précis, et la gouvernance est aussi très précise, mais ça prend aussi en compte l'humain. Donc, pas l'oublier. Donc ça, soit effectivement, ça peut être pris en charge par l'un ou l'autre des conseils autour de la table, mais sinon, le mieux, c'est de se faire accompagner effectivement par des experts spécialisés là-dedans. Et comment on fait vraiment concrètement? Je te l'ai dit, dans les quatre points importants à retenir de la gouvernance, il ne s'agit pas de calquer un modèle et de se dire, bah, en fait, c'est ça. Non, il y a différentes étapes et c'est plutôt une approche structurée, mais surtout personnalisée en fonction de la taille d'entreprise, du coup, de son étape de structuration, de sa maturité. Moi, j'aime bien toujours commencer par une phase d'immersion, en fait, parce que oui, il y a les bonnes pratiques qu'on connaît de gouvernance et qui font leur. Et qui sont efficientes. Mais cette phase d'immersion est très importante pour moi. C'est une phase d'écoute, en fait. D'écoute des parties prenantes, d'écoute du dirigeant, de son projet, pour l'aider justement à formaliser sa vision. Hein, ça, c'est vraiment la première partie. Et puis de voir comment les parties prenantes, déjà aujourd'hui, accueillent ça pour potentiellement rééquilibrer les choses. Dans cette partie d'immersion, moi, j'aime bien faire des entretiens individuels, pourquoi pas aussi collectifs. Et c'est toute la vertu d'avoir une tierce personne qui va en fait interviewer les parties prenantes. On va vraiment avoir, souvent les gens ont envie d'aider, en fait, de participer à la réussite du projet. Donc, ils sont contents de pouvoir participer à ces entretiens-là. Et puis, ça permet de poser un diagnostic et aussi une cartographie, en fait, des parties prenantes. Donc, on commence toujours par ça, très concrètement, cette phase un peu d'immersion. Et puis après, cette phase d'immersion où là, je vais aller me nourrir, voilà, de tous ces éléments-là, je fais des recommandations stratégiques et une feuille de route de gouvernance adaptée à 6 mois, à 1 an, avec des étapes à 6 mois, à 1 an, à 18 mois, qui suivent aussi la croissance de l'entreprise avec des recommandations très concrètes. Puis après, c'est un travail avec le dirigeant d'entreprise et avec peut-être aussi déjà ses parties prenantes, hein, ses collaborateurs, ses investisseurs, et dire bah, qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qui nous ressemble? Qu'est-ce qu'on sent qu'on va pouvoir mettre en place? On ne peut pas tout mettre en place, hein. Il y a beaucoup de sujets que le dirigeant doit gérer. Donc voilà, l'idée, ce n'est pas de lui faire une gouvernance usine à gaz, mais plutôt les petites choses qui vont permettre au démarrage de vraiment l'aider, vraiment le soutenir et lui faire passer des caps. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, la gouvernance, elle doit presque même pas. Alors, elle doit être initiée, bien sûr, par le dirigeant, mais il faut surtout pas que ce soit que le dirigeant. C'est Au contraire. ce que j'entends. Bah oui, parce que ça, sinon, il n'y a pas besoin de faire la gouvernance, il fait comme d'habitude, comme avant, et puis en général, voilà. Il y en a qui le font très intuitivement de faire collaborer, mais non, non, ça aide, ce cadre de gouvernance aide effectivement à écouter toutes les parties prenantes. Est-ce que tu aurais une success story à nous partager? Parce que je pense que ça peut être inspirant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de voir une success story grâce à la gouvernance. Alors, j'avais une success story, mais c'était plus en lien peut-être avec des sujets de transmission, de cession, de croissance, tu Parfait. vois. Ça anticipe ma prochaine question. Je Mais t'écoute. peut-être avant juste d'aller sur cette partie-là, il y a un dernier point, et souvent, parce que vous pouvez avoir autour de vous des gens qui disent, ah, mais moi j'ai testé la gouvernance, mais on a fait une feuille de route et tout, puis en fait, il ne s'est rien passé. La troisième étape, c'est quand même l'animation de cette gouvernance. Ce n'est pas parce qu'on a décidé finalement des outils que pour autant, il n'y a pas besoin d'un référent en interne, de quelqu'un qui va mesurer la progression, qui va ramener le sujet dans des moments où opérationnellement on est un peu débordé, qui va peut-être animer aussi ses rendez-vous avec les boards, etc. Donc la gouvernance, elle est vivante. Et donc il faut qu'elle soit animée aussi à la suite. Donc pareil, ça peut être quelqu'un en interne. Je ne conseille pas forcément que ce soit le dirigeant parce que ça lui fait encore quelque chose en plus à gérer, mais il peut désigner un référent ou ça peut être fait en externe. Donc l'animation et la communication ensuite de toute cette gouvernance, on en a un petit peu parlé. Merci pour cette précision. Eh ben, je reviens à ma question alors. Bon, on va faire la success story et puis on pourra aborder peut-être les éléments manquants après sur la phase de transmission parce qu'effectivement,
reprendre une boîte qui est plutôt bien organisée, ça doit être plus simple que de reprendre une boîte qui n'a pas de structure en interne, d'identité. Et même, ça, tu as tout à fait raison sur la session transmission, mais même moi, j'ai le cas un peu success story, justement, d'une start-up qui voulait pouvoir se rapprocher d'une autre structure pour couvrir un peu sa chaîne de valeur. Alors, au début, c'est pas success story, mais c'est ça se termine bien. C'est parce qu'on, comme on a pu quand même au démarrage avoir ce regard gouvernance, accompagnement gouvernance, lui avait fait tout ce travail-là, il a pu poser les questions. Enfin, du coup, là, on l'a fait en trinôme avec la personne vers qui il devait se rapprocher, qui, elle, n'avait pas mis en effet ses réflexions de gouvernance. Et en posant ces questions, ils se sont rendus compte qu'il y avait tout était au vert sur le financier, le juridique, le pacte d'associés, etc. Mais sur l'humain, les ambitions, notamment les ambitions RSE, le style de management, de collaboration, il y a eu des frictions. Et en fait, finalement, c'est l'humain qui a fait que le deal ne s'est pas fait. D'accord. Donc ça, c'est... Et en fait, autour de la table, la gouvernance est arrivée un peu tard. Et si elle n'était pas arrivée, peut-être qu'ils l'auraient fait. Peut-être ce serait fait, ça aurait peut-être été une superbe success story. Mais ils ont décidé de ne pas y aller. Donc j'aime à croire que c'était mieux finalement de ne pas y aller. Et voilà. Et finalement, il a pu, toujours dans ce même processus de réflexion, pouvoir trouver une entreprise plus compatible aussi dans son style de gouvernance et ce qu'il voulait, où est-ce qu'il voulait emmener. Style de management, d'engagement aussi, RSE, et trouver une boîte qui était plus du coup cohérente avec elle. Et je pense que l'histoire va aller loin. Donc la gouvernance en fait permet alors permet de mettre un cadre bien sûr parce que tu l'as dit tout à l'heure pour communiquer mais ça aide aussi le dirigeant à mettre un cadre dans sa prise de décision parce que souvent ça fait passer le dirigeant du seul maître à bord à devoir prendre une décision et à devoir la justifier à finalement quelque part il peut aussi c'est pas se retrancher mais c'est peut-être plus simple aussi ça aide le dirigeant à prendre des décisions dans ce que tu es en train de me dire. Ah, et c'est un soutien indéfectible. Et puis tu sais, en plus, je trouve qu'il y a un... Alors, si on se recentre hein, sur le cas des startups, et même si c'est vrai dans toutes les boîtes, parfois on a des opportunités et on ne sait pas comment les jauger au-delà du financier, etc. Avoir ce prisme de décision qu'on a défini dès le début, peut-être de valeur, de culture, peut aider aussi. Et moi, je trouve que c'est un prisme de décision intéressant pour se dire, bah non, en fait, ça, c'est peut-être une opportunité qui a l'air intéressante, mais c'est pas celle-là qu'il faut que je prenne, et c'est peut-être vers une autre que je vais devoir saisir. Et ça, pour moi, c'est aller plus rapidement, ou en tout cas de façon avec moins de détours à notre objectif final. Donc c'est un réel outil de pilotage. Un réel outil de pilotage. Et encore une fois, il n'est pas seul. Ouais. Parce que parfois, on a nos biais, voilà, nos convictions. Et même si finalement, il reste le seul maître à bord à la fin, c'est pas ça le sujet, hein. C'est qu'au moins, il aura eu des regards différents qui ont peut-être permis de construire sa décision différemment. C'est ça, déjà. Ou de la conforter d'ailleurs. C'est plus facile aussi de prendre une décision quand elle est confortée par nos différents soutiens. C'est vrai également. Bon, on arrive sur la fin de notre webinaire, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Tu évoquais tout à l'heure ton rôle d'administratrice. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, nous en dire plus, peut-être vulgariser un peu ce rôle parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus connu et puis en quoi c'est utile pour les sociétés? Le rôle de, c'est vrai que tu as raison, le rôle d'administrateur indépendant est assez peu connu. En fait, initialement, ça va être vraiment au sein d'un conseil d'administration. Il y a les différentes parties qui représentent ce conseil, le dirigeant, bien sûr, ses actionnaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce conseil d'administration, et même dans d'autres types de gouvernance informelle, hein, comme un board conseil, on en a parlé, ou conseil stratégique, comité stratégique. Ça a plein de termes aujourd'hui. Il y a la possibilité, et c'est assez peu connu, d'avoir un mandat pour quelqu'un d'indépendant extérieur à l'entreprise, et indépendant dans le sens qui n'est pas financeur, qui n'est pas collaborateur, enfin, vraiment, qui n'a pas de lien avec l'entreprise. Ça, c'est des choses aussi que je préconise à mes clients, de pouvoir, dans leur board conseil, prendre quelqu'un vraiment d'extérieur et d'indépendant, qui va apporter un regard. Alors, il y a une vraie...
façon de faire pour trouver et déjà identifier quel type de profil on a besoin. Parce que justement, l'idée, c'est de pouvoir peut-être inclure un profil dont on sait dont on va avoir besoin à l'avenir pour des sujets d'internationalisation ou des sujets sur tel ou tel secteur d'activité qui va être très particulier. Donc, ça peut être un choix aussi de se dire, bah, je donne une tonalité à mon administrateur indépendant. Donc ça, ça permet vraiment d'avoir une ressource complémentaire. Et surtout, il va être un peu le garant justement que cette gouvernance fonctionne bien. Il n'est pas partie prenante et on dit qu'il doit être dans des mandats maximum 3 ans, 6 ans, 9 ans pour justement pas perdre son indépendance. Et là, on voit vraiment que c'est un garde-fou aussi au sein de cette gouvernance pour qu'elle fonctionne bien. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'administrateur indépendant. C'est une obligation légale dans des entreprises de taille plus importante. C'est une bonne pratique qui est recommandée dans les, bah, dès les startups, dès les conseils. Et aujourd'hui, le syndicat, entre guillemets, enfin, de référentiel des fonds d'investissement recommande, enfin, cite cela comme une bonne pratique dans les, qu'il y ait un administrateur indépendant dans les boards conseils, dans les conseils d'administration. Est-ce que ça coûte cher? Alors, ça, c'est toujours la question qu'on pose. Il y a des bonnes pratiques de rémunération selon la taille de l'entreprise et l'implication. Souvent, si on veut pas que ça se transforme en une personne qui fait juste acte de présence ou qui va être juste finalement pas apporté et être si challengeant parce qu'il connaît pas si bien le dossier, moi, je dis toujours qu'il faut qu'il y ait une rémunération, quelle qu'elle soit. Symbolique ou non, et après selon la taille de l'entreprise, effectivement, il y a des référentiels en fait en fonction de la taille de l'entreprise, tout simplement, de bonnes pratiques de rémunération des administrateurs indépendants. Mais ils ne sont pas considérés comme des salariés, on est d'accord, c'est vraiment des indépendants, c'est de la facturation. C'est de la facturation externe, tout à fait. Et où est-ce qu'on peut recruter un administrateur? Alors, il y a différents. Il y a différents réseaux parce qu'il faut savoir que être administrateur, on peut être certifié. Moi, je recommande vraiment qu'on puisse faire appel à un administrateur certifié. Donc, il y a des certifications hein, de l'IFA, de Sciences Po, de l'ESSEC que moi j'ai choisi pour ma certification. Et ensuite, il y a des réseaux d'administrateurs indépendants en région, notamment. Donc, nous, dans l'Ouest, dans la région, il y a notamment l'APIA. Vers qui on peut se tourner pour rechercher un administrateur indépendant. Dans le cadre d'un conseil en gouvernance, on peut aussi aider effectivement déjà à identifier le bon profil et à chercher ces bonnes personnes, chasser ces bonnes personnes et pour qu'elles aient envie de nous rejoindre. Et encore une fois, là, si on a une gouvernance déjà qui fonctionne bien, une vision, un projet d'entreprise, on aura peut-être plus de facilité à attirer le bon profil à soi. Je te remercie Alexia pour ces précisions, pour ces informations. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais aborder, d'autres points peut-être, ou d'autres questions que je n'aurais pas posées? Bon bah écoute, je pense qu'on a bien balayé. Moi, ce que j'espère qu'on a pu partager le fait, bon, c'est assez rapide, hein, mais que vraiment cette gouvernance va vraiment être un soutien, un support, permettre aux dirigeants de sortir de cet isolement et peut-être au démarrage ou quand il n'est pas encore structuré de beaucoup de personnes seniors, voilà, avoir ce cadre à son service. C'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour la croissance de l'entreprise et c'est aussi intéressant en termes de recherche de fonds, même auprès des banques, hein, pas que des fonds d'investissement, mais aussi demain pour recruter. Voilà, ça fait partie de la marque employeur, hein, si on tire un peu le fil de la communication. Et donc, ça ne peut que être, moi, je le vois vraiment comme un atout, finalement, avec assez peu de contraintes. Merci pour ce mot de la fin. Si tu voulais partager aussi avec tout le monde le fait qu'il y avait un cadeau, en fait, pour ceux qui étaient là. Tout à fait. J'ai réalisé avec mon équipe, hein, parce que, et c'était l'objet de ce webinaire aussi, souvent les dirigeants ne voient pas vraiment ce que revêt la gouvernance d'entreprise. Donc, en fait, on a réalisé un autodiagnostic gratuit en ligne qui prend quelques minutes et qui balaye un peu les différents sujets de gouvernance pour les petites entreprises et qui vous permet en fait de mesurer un peu la maturité de votre entreprise à la fin. Donc vous obtenez un score sur 100 et qui vous positionne un peu à vous dire bon bah bravo, vous êtes en chemin, il y a peut-être encore des choses à faire. Et surtout ce qui est intéressant, c'est à travers les questions, finalement vous voyez un peu les thématiques que vous pouvez mettre en place. Est-ce que tu aurais un lien à nous partager de suite ou on l'envoie par mail? Qu'est-ce qui serait le... Merci. Super. Voilà, vous l'avez. Merci.
On va le partager également, comme tous les webinaires, ce sera en replay, on enverra le lien avec le replay. N'hésitez pas, on termine un peu en avance, mais s'il y a des questions, on est là pour y répondre. On communiquera également les coordonnées d'Alexia si c'était des informations plus confidentielles et que vous ne souhaitez pas les partager. J'attends encore une minute pour les questions, si jamais.